Bonjour famille. Je me permets de faire cette petite vidéo pour répondre à certaines personnes mal intentionnées qui mettent le feu dans notre pays. Soit disant qu'ils sont les enfants de la Côte d'Ivoire, ils ont leurs parents en Côte d'Ivoire, mais malgré tout, pensent qu'à leurs propres intérêts. Quand je pense que des enfants de la Côte d'Ivoire, par les intérêts, se mettent sur les toiles, qui chantent tous les jours que Ado est Burkinabé, Ado est ceci, Ado est cela. C'est à ces personnes-là que j'ai envie de répondre. Quand je pense que certaines personnes, au lieu de se mettre pour nous parler du projet que leurs mentors proposent aux enfants de la Côte d'Ivoire, ils sont incapables et qui n'ont rien à proposer, qui n'ont rien à dire, que de venir exciter nos enfants pour les mettre dans la rue, pour se faire tuer, pour se faire agresser, pour qu'ils aillent se retrouver en prison. Et après, ils les abandonnent. Quand je pense à certaines personnes mal intentionnées, qui pensent à détruire les autres atteindre leur but, qui sont prêts même à verser le sang d'autrui pour atteindre leur but. C'est à ces personnes-là que j'ai envie de répondre. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Il n'y a personne qui a la clé du titre foncier de la Côte d'Ivoire. On est tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Donc on a le droit de parler. Arrivé un moment, trop c'est trop. Trop c'est trop. Non mais c'est quoi ces histoires? On en a marre de cette chanson tous les jours. Ado Burkinabé, Ado Sisi, Ado cela. Je vais vous faire écouter la chanson de Salif Keita. Parce que je ne peux pas comprendre pour comment les soeurs et les frères de Ado sont des Ivoiriens et que Ado il est Burkinabé. Comme si le jour où sa mère accouchait, ce sont eux qui sont allés faire l'acte de naissance. Le père, comme si c'était à eux, le père d'Ado leur a dit que cet enfant-là, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Burkinabé. Ou bien la mère d'Ado allait leur dire que le père d'Ado c'est un Burkinabé. Arrivé à un moment, ça suffit. Stop. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Ne nous emmerdez pas. Nous, on veut l'union en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux, pour leurs propres intérêts, ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à appeler les choses par leur nom. Ils n'ont qu'à arrêter de faire semblant de se battre pour la population ou qu'ils se battent pour leurs propres personnes. Ça suffit. Ça suffit, quoi. Je vous fais écouter la chanson de Salif Keita qui vous parle de notre Prado. Voilà, le Massacre, le Nangama. L'enfant digne de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous vous dit, soit disant il est Burkinabé là qui va changer quelque chose. On est ado aujourd'hui, on est ado demain, vous ne pouvez rien changer.
Merci Salif. Merci Salif Keïta. Famille, vous savez, arrivé à un moment, il faut qu'on se regarde dans les yeux et puis on se dit les quatre vérités. Parce que si c'est la sensibilisation, on en a fait. Mais s'il y a des enfants qui ne veulent pas comprendre, qui ont envie de se faire passer pour des moutons, pourquoi on fait des sacrifices? Pour les propres intérêts de certaines personnes qui les jettent dans les rues. Mais on ne peut rien faire. On peut que les sensibiliser, mais s'ils ne peuvent pas comprendre, on ne va pas aller les attacher, famille. C'est dommage. Ça fait mal de voir nos frères se faire tuer. Ça fait mal de voir nos frères, au lieu de se battre pour apprendre même des petits métiers, au lieu de se battre même pour penser à leur avenir, ils sont obligés d'aller se jeter dans la rue pour aller se retrouver, comme on appelle, en prison. Ou bien se faire tuer. Par des gens mal intentionnés qui pensent qu'à leur propre personne. Par des gens mal intentionnés qui ne pensent qu'à marcher sur les autres pour atteindre leur but. Par des gens mal intentionnés qui sont assis sur les réseaux sociaux en pensant que si leur menton vient au pouvoir, ils se voient devenir des cadres en Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Dieu, il ne dort pas. Dieu, il ne dort pas. C'est l'homme qui est pressé. Sinon, Dieu, il ne dort pas. Vous nous emmerdez soi-disant qu'il y a Alassane et Burkinabé. Salif Keïta vient de chanter là, vous avez entendu. Ça là, c'est déjà, comment on appelle, pour moi, quelque chose qui est close quoi. Parce que les gens qui insistent encore sur ces histoires de Alassane et Burkinabé là, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Sinon, Bédier là, votre Bédier de 86 ans là, moi j'ai dit, je ne veux pas manquer de respect au promotionnaire de mon père. Mais arrivé un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Vous pensez que l'âge que Bédier a, aujourd'hui, le physique de Bédier lui permet d'être président en Côte d'Ivoire? Ou je ne sais pas si dans votre projet que vous avez fait, Bédier, c'est un sous-couvert. Parce que cette histoire-là, ce n'est pas clair. Il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Cette histoire de Bédier, ce n'est pas clair. Bédier, vous nous avez dit que Bédier, son père est béninois, sa mère est ghanéenne. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Bédier, il est plus âgé qu'Alassane. Pourquoi vous n'en parlez pas? Lui, il a le droit et Alassane n'a pas le droit. Écoutez, le RHDP, là, il y a ses membres, il y a ses partisans. Maintenant, les partisans du RHDP, les membres du RHDP, s'ils ont accepté ADO, votre problème, il est où? Mais acceptez votre Bédier, c'est tout. Parce que moi, je parle de Bédier, parce qu'aujourd'hui, pour moi, Bédier, c'est lui l'aîné de la Côte d'Ivoire. Normalement, tout ce problème, si ça se passe et que lui, il est là, c'est qu'il en sait quelque chose et il est pour quelque chose. Voilà pourquoi je parle de lui. Le reste, là, ça ne m'importe. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Ado, c'est ici, Ado, c'est là, Ado, Burkinabé, ça suffit. Nous, Ado, là, qu'il soit Burkinabé ou pas, nous, on s'en fiche. On l'aime comme ça. Au fond, il était ghanéen, mais on l'a aimé. On n'a qu'à se prendre au sérieux. La Côte d'Ivoire a une histoire. Il n'y a pas d'Ivoirien 100%. Il n'y a pas d'Ivoirien 100%. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Il n'y a pas de pire Ivoirien. Tout le monde est étranger en Côte d'Ivoire. C'est quoi ces histoires? On a grandi ensemble, on a mangé ensemble, on a fait tout ensemble. Et d'un coup, pour vos propres intérêts, vous voulez mettre le feu dans le pays? Vous voulez nous diviser? Même si nous, on est hors de la Côte d'Ivoire. Et nos parents qui sont là, on ne pense pas. Combien de fois on va chanter les mêmes chansons là? Pour vous faire comprendre. Vous continuez à manipuler les enfants des gens. Vous continuez à faire laver des cerveaux aux gens, aux enfants là, pour les mettre dans la rue. Et quand ils sont dans les difficultés, on ne vous voit pas. Arrêtez vos tapas dans le vide là. Si vous n'avez rien à faire, cherchez autre chose à faire. Voilà. Avec le comportement que vous avez là, vous pensez que vous êtes des gens sur qui aujourd'hui on peut compter si vous êtes au pouvoir? Ah ben non. Des gens qui jettent les enfants dans la rue pour aller se faire tuer, aller les mettre en prison. Si demain ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils feront de nos enfants? Des gens qui sont capables de verser le sang de leurs semblables, de piétiner les autres pour arriver à leur but. Des gens comme ça, s'ils ne sont pas au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on parle des gens du Nord, on ne parle pas des étrangers. Les gens du Nord, c'est les étrangers. Les gens du Nord, là, on est pareil. On est tous pareils. Qu'avec les étrangers, on est tous pareils. C'est le même nom. C'est le même nom. On est tous pareils. Et alors, on est étrangers. Pien le Roby. On ne bouge pas de la Côte d'Ivoire. On est là. Parce que vous-même, vous êtes des étrangers aussi.
Foutez-nous la paix. Ah, ça, les Burkina ou pas, on est dedans. Famille, Akahakri, je vais parler à mes parents du Nord. Mes parents du Nord, réveillez-vous. Ne vous laissez pas embarquer dans ces manipulations pour mettre le feu dans notre pays. Ne les encouragez pas, ne les suivez pas, ne les motivez pas. Ils s'en foutent des enfants de la Côte d'Ivoire, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Ils pensent à leurs propres intérêts. On m'a confié Taoula. 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 On ministre ni fa o ma se ka makonya mo no na si e jamana sa o be se ka mune ke mo ye anye ha kristo ro le kan anye ha kristo ro ha kristo an deuna souvent s'assoit dans nos salons les enfants qui n'ont pas été au courant de tout ce qui s'est passé on s'assoit devant eux on leur fait croire que on déteste ça ado devant eux mais ces pauvres enfants quand ils s'élèvent ils entendent les parents dire donc eux aussi ils se jettent dedans. Comme par exemple la petite fille que les parents ont mis sur les réseaux sociaux, un enfant à bas âge comme ça, on est en train de lui tisser déjà la haine. Elle est célèbre qu'on n'est même pas ado. Elle n'a rien vécu d'ado. Par les dits de ses parents, elle aussi va se réveiller à commencer à détester. C'est comme ça qu'on est en train de manipuler tous nos enfants pour les mettre dans les rues. Sachant ce qu'on dit vis-à-vis de nos enfants. Sachant ce qu'on dit de nos représentants, de nos gouvernements. Sachant ce qu'on dit des autres devant nos enfants. Sachant ce qu'on dit, les paroles qu'on sort dans nos bouches devant nos enfants. Adoe Burkina, obé ou pas, vous nous emmerdez. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas de vrais Ivoiriens, on est tous des étrangers, qu'on le veuille ou pas. Ceux qui sont allés à l'école, nous qui sommes allés à l'école, on a étudié à l'école. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas des Ivoiriens 100%. C'est que des gens qui sont venus de quelque part, qui ont construit la Côte d'Ivoire. Voilà. Adoe Burkina ou pas, on s'en fout. Pourquoi ne parlez pas de Bédié? Pourquoi vous ne parlez pas de Bédié? Donc Bédié, lui, il a droit, Adoe n'a pas droit. Foutez-nous la paix. Le RSDP, il y a des cadres, il y a des responsables qui peuvent prendre des décisions. On n'a pas besoin de vous pour venir prendre des décisions au RSDP. Foutez-nous la paix. Occupez-vous de vos mentors. Envoyez vos projets pour proposer à la population. Envoyez vos projets pour présenter à la population de la Côte d'Ivoire. Venez leur dire ce que vous avez à leur apporter. Au lieu de rester sur les toiles en train de vous occuper de la vie privée des gens, en train d'aller fouiller la vie privée des gens, au matin, ils sont en train d'insulter le président. Ça, c'est des projets de société, ça. Ça suffit, là. Ça suffit. Au lieu d'en fouiller, si on est présent dans le pays, on ne sait qu'il n'y a pas de fort. Quand on se dit, non, Adoe, nana, Adoe, il est burkinabé, Adoe a fait ceci, celui-là a fait cela, celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela. On a mal à mal à comment on fait ça? Ah ou ben fengenai? Afin de ouvrir la bouche quoi? Ah? Quand deux flambeaux tout ira différemment. Quand deux nous n'en deux flambeaux tout ira différemment. Donc elle a, donc elle a. Anga hakiri sorosan. Bonne journée.